c'est Léa Chou, aujourd'hui je vous retrouve sur la chaîne Gaming pour vous parler d'une box. Ce n'était pas prévu mais vu que vous me l'avez demandé sur Instagram et sur Twitter, voici. Donc c'est la box du journal du Geek. Voilà. C'est marrant parce que j'ai déjà testé des box beauté, c'est la première fois que je teste une box comme ça. Et déjà le packaging, il n'est pas du tout box beauté, genre les box beauté ils ont des super beaux designs et tout ça, ça c'est... Hey, s'en va les couilles. Bref, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Le premier truc c'est un t-shirt, donc je me suis dit ça fera un t-shirt de pige, mais en fait vu que j'ai quand même une forme poitrine, il me va parfaitement. Donc hier je l'ai porté avec un slim noir, enfin normal. Donc en gros c'est marrant parce que genre il y a toutes les culottes Bruce, Clark et Diana, et ça je le trouve trop bien, enfin j'aime bien les trucs gris, donc ce t-shirt est parfait. J'ai eu les aventures du 10e docteur, donc Docteur Who, alors je me doute que vous êtes beaucoup à regarder. N'hésitez pas à me dire quel est votre docteur préféré. Donc voilà, en gros il y a plein de choses, il y a toute la BD, etc. Avec un maker poster géant que je pense que je vais accrocher dans ma salle, etc. etc. Bref, voilà, c'est cool. C'est Urban News avec plein d'infos et tout ça sur les Marvel et un poster Marvel. Faut savoir que je suis vraiment une grande fan des Marvel, vraiment. Je pense qu'après, ça restera mes préférés, ça restera les X-Men que j'ai vu, revu et encore revu. Et notamment ceux avec Wolverine qui est l'amour de ma vie. Voilà. Et Mystique. Voilà. Mystique, je l'aime trop. Alors que c'est une méchante. Mais ma chatte, s'appelle Mystique. Voilà. C'est génial. Et Pez Batman. Je savais pas que ça existait encore. Le genre, ça, c'est trop mignon. Et c'est sans gluten, c'est écrit derrière. Voilà. Oui, alors oui, je suis une enfant, mais bon, ça vous en doutez. Ensuite, j'ai eu la tasse Batman. En fait, je suis déçue, je pensais que j'allais avoir une plus belle tasse Batman. Elle est pas ouf. Ouais, parce qu'on dirait qu'il a trop fait muscu en fait. Mais oh, c'est pas Batman, c'est Bat in Shape. Avec la tête de Thibaut là. Enfin, Thibaut avec un masque. En fait, c'est Thibaut Batman. Voilà. Ensuite, j'ai eu un jeu qui s'appelle Inside 3. Et ça, je pense que je vais jamais m'en sortir. Alors, attendez, on va essayer de le faire. Mais. Attendez, il y a un truc là, non? En gros, c'est un cube. Il y a un parcours à faire. Ah mais ouais, il faut tourner en fait, il faut que la vie elle passe et elle repasse, mais je ne comprends pas. Je sais pas si vous voyez là qui connaissent, mais je ne comprends absolument pas le principe. Parce que ma bouboule ne bouge absolument pas. Voilà. Bon, ce qui... il faut tourner, mais... Ensuite on a eu un petit manette Batman. Après on a eu un truc pour coller sous l'iPhone et ça c'est plutôt cool, même si j'ai plus l'iPhone parce que je me suis volée, mais voilà. Donc vous le cordez et en fait ça se met sous votre iPhone, genre au lieu de tenir. Vous pouvez faire des périscopes. C'est trop mignon, que je ne connaissais pas du tout, voilà, je découvre un peu aussi. Et on a eu des places pour la foire de Paris, mais je ne serai pas là, c'est bien dommage parce que je serais bien allée. Et puis c'est passé, de toute façon c'était je connais. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt avec une vidéo sur les Sims.